La participation des jeunes au marché public. Nous étions avec Monsieur Marc Mandiabita Pemoa. Je rappelle qu'il est administrateur civil et également conseiller en communication du DG de l'ARMP. Et nous lui disons justement merci pour ce joli atelier. J'espère que vous en avez retenu énormément. Nous allons poursuivre à présent avec notre deuxième panel de ce salon. Je rappelle que nous sommes au jour 1 et vous êtes nombreux en ligne. Je vais vous demander également de partager le direct pour pouvoir rassembler énormément de monde autour de ces activités. Et le titre ou le thème de ce panel, c'est Booster la consommation locale en Afrique, mythe ou réalité. Pour modérer, je vais inviter Madame Ola Tokubo Igwe. Elle est coach en développement personnel et coordinatrice de Livingstone House. Je vous prie, s'il vous plaît, de l'accueillir avec des ovations bien nourries. Et bienvenue à notre panel. Cette deuxième panel, c'est pour partager nos expériences et un peu discuter sur la question de la consommation locale en Afrique. Est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité? Nous avons un panel composé par des hommes et des femmes assez distingués, les gens qui connaissent et qui pour nous aider à vraiment nourrir nos réflexions cet après-midi. Je vais commencer à inviter les panélistes. Je commence par le représentant de Son Excellence, Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement, du secteur privé, de la promotion et de la consommation locale de Togo, Monsieur Kodjo Adeje, qui malheureusement, aux dernières minutes, ne peut pas être avec nous à cause des autres urgences qu'il a. Mais il sera bien représenté par Monsieur Koka Bassolaoui Paul, le coordinateur du secrétariat de mise en œuvre du cadre intégré renforcé. De Coca. Après, je voulais inviter Monsieur Hunkali Anani, le représentant de Madame la directrice générale de la FAEJ. Il est le directeur des opérations. C'est un économiste de développement, un spécialiste de promotion des petites entreprises. Monsieur Hunkali Anani, soyez le bienvenu. Ici en présentiel, mais nous avons aussi des personnes ressources en ligne. Et pour nous accompagner à partir de Paris, c'est l'un des fils de ce pays, bien connu comme un détecteur de talents. Un chasseur de tête, chasseur de tête, togolaise de la diaspora, Didier Akwete, qui depuis 2013 est le patron d'Afrique Search, un membre du conseil d'orientation de l'Institut et c'est lui qui est à l'origine du groupe de réflexion Renaissance Afrique. Soyez le bienvenu, Monsieur Akwete. Monsieur Akwete, vous nous entendez? Est-ce qu'il nous entend? Pas vous un signe. Après. OK. Maintenant, je vais inviter aussi un grand entrepreneur togolais, actuel directeur général de Nioto, un grand homme qui est titulaire d'un Master 2 en diplomatie et stratégie du Centre d'études diplomatiques et stratégiques, couplé d'un séminaire stratégique au Collège intérimaire de défense en 2005 à Paris. Monsieur
Aweso était conseiller du chef d'État de la République centrafricaine, administrateur au CNDS, conseiller national du dialogue social, excusez-moi. Le vice-président aujourd'hui du Conseil national de patronat du Togo et président du JITO, le groupement des industries du Togo. Il est aussi membre du conseil d'administration de la CNSS, la Caisse nationale de la sécurité sociale, et de l'ANASAP, l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Monsieur Thierry Aweso, chevalier de l'ordre du Mono, comme je vous ai dit, il est le directeur général de Nyoto. Et qui dit Nyoto, dit l'huile. Fait au Togo l'une des meilleures, l'huile, et le producteur de le meilleur beurre de qualité dans cette sous-région. Moi, je dis, et j'assume. Monsieur Aweso, vous êtes invité à vous prendre place. Comme on dit en anglais, last but not the least, c'est une grande dame qui est la directrice de la communication de l'OTR. Elle a une double formation de juriste d'affaires et de communicateur. Une dame que sa carrière entamée il y a environ 20 ans lui a fait parcourir le secteur paraprivé et travers Togo Cellulaire et Togo Télécom, où elle a gravi les échelons d'agent simple à sous-directrice. Son goût de challenge l'a poussée à offrir des services de consultants en communication à UNFPA, aux Nations Unies, pour conduire leur campagne de communication en vue de lutter contre la mortalité maternelle en 2010 et le recensement de la population togolaise. Curieuse et désirant explorer d'autres secteurs, elle exerce aujourd'hui dans l'administration de l'OTR comme directrice de la communication. Elle est une mère dévouée de deux enfants. Je vous nomme Madame Jeanne Mabenga. Merci beaucoup et bienvenue encore. Nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une actualité d'aujourd'hui. Une actualité, je dirais, parce que moi je suis nigériane, hein, il faut que je me présente aussi, non? Je m'appelle Tokumbo Ige. J'habite ici au Togo. Je suis nigériane, mais je me sens togolais. Donc, ce sujet d'aujourd'hui m'attire à cœur, personnellement. Et je suis content qu'aujourd'hui, partout dans ce pays, le seul sujet qui est d'importance, c'est cette question de la consommation locale. Et qui dit consommation locale ne parle pas seulement de ce qu'on mange. C'est aussi les services. Pourquoi ne pas regarder la télé togolaise? Pourquoi ne pas écouter la musique togolaise? Pas mal de discussions, pas mal de plateformes, des panels ont été déjà lus et il y a des autres qui sont planifiés pendant 7 mois qui est dédié à la consommation locale. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec notre première question. Qui veut prendre pour le prendre? Mais je veux que chacun de vous dise quelque chose. Quand on dit consommation locale, je vous ai déjà donné une piste, c'est tout. Hein? Mais en quoi cette consommation locale est un déterminant central de tout processus de croissance d'une économie? Peut-être le représentant du ministre voulait commencer. Merci, Madame la modératrice. Bonsoir à toute l'assistance. Avant de répondre à votre question, c'est qu'il faut noter la consommation locale, l'utilisation des biens et services produits dans une nation ou dans ses environs, émane et dépend donc de la communication, de la visibilité et de la qualité donc de tous ces produits. Et en venant à votre question, sur un territoire
lorsque des biens et services sont produits et ne sont pas consommés, ça veut dire que les producteurs sont laissés pour compte. Ils ne peuvent pas faire valoir leur potentialité pour pouvoir s'autonomiser et faire valoir leurs économies en faveur donc de la nation. Alors, cela voudrait dire toutes les énergies mises en place par un opérateur pour satisfaire un besoin donné, lorsque le maillon ou la maison n'est pas prise, c'est qu'il ne pourra plus continuer. Non seulement il va tomber, mais aussi toute la chaîne de valeur est tombée. Alors, sur le plan macroéconomique, nous dirons que c'est l'ensemble donc, des entrées, l'ensemble des achats qui constituent l'économie nationale. Et dans votre parler tout à l'heure, vous avez cité Nyoto qui, depuis des années, est dans la transformation des produits locaux. Et nous savons cette potentialité, nous savons les forces de frappe que Nyoto a. Et j'en dirais que mon thème de mémoire en maîtrise à l'Université de Bénin en 1991, c'était sur Nyoto, la visibilité des produits. Et une enquête a été menée. Et je salue donc le directeur qui est avec nous ici. Alors, ce qui, je crois, témoigne de ce mois du consommateur local, qui est bien sûr une idée venue de l'humour, certes, mais au Togo, depuis les années 80, avec le slogan « Consommons togolais », je crois qu'il y a toute une piste qui a été faite, avec les foires à Diafui, les foires Miator, etc., pour amener la population à comprendre que il faut commencer par développer ses choix chez soi. Il faut commencer par booster donc les producteurs chez soi avant d'aller donc à l'extérieur. Et je dis bien avec la ZELECAF qui est en cours d'être mise en place, avec les 1,5 milliard âmes de l'Afrique, je crois que booster vraiment la consommation locale en Afrique, ce sera vraiment un gage, ce sera un pari que l'Afrique doit gagner pour être au-dessus donc, des autres pays. Et le mardi, nous étions chez Choco Togo. Et il faut dire, un chocolat à 60% cacao ou à 70% cacao, voire à 100% cacao, alors que, je l'ai dit, tous ceux qui vont en Suisse, à Genève, et qui reviennent sans chocolat, tout autour de lui, c'est comme si il n'a pas voyagé. Ça veut dire qu'on attend les chocolats de Suisse. Alors que ces chocolats, c'est à peine peut-être 20%, 10% de cacao. Alors ça veut dire qu'il faut une communication forte pour que sur le plan alimentaire, sur le plan vestimentaire et sur le plan œuvre d'art et même cinématographique, que vraiment en Afrique, nous puissions faire développer nos économies. Merci beaucoup, monsieur Koka. Monsieur Tunkali, je voulais vous entendre sur cette question. Merci beaucoup pour la question. Et donc, je remercie aussi les organisateurs pour l'invitation. Je voudrais m'inscrire directement dans ce que Monsieur Koka vient de dire, mais surtout partir des exemples que nous vivons sur le directeur des opérations du FAIEJ. FAIEJ fait la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Concrètement, nous promouvons donc l'éclosion des petites entreprises portées par les jeunes et femmes, et nous faisons tout pour les inscrire dans la durée. C'est pour dire que c'est une problématique que nous vivons chaque jour avec nos jeunes. Qui dit la très petite entreprise, vous comprenez que n'a que comme seul salut la consommation locale. Parce qu'il est déjà difficile d'envisager l'extérieur. Et donc, le bien que la très petite entreprise arrive à mettre sur le marché, les services, s'ils ne sont pas consommés ici, il y a disparition tout de suite. Je prends l'exemple concret, je ne veux pas citer des noms, mais un jeune qui fait la transformation de la tomate en pâte de tomate ou purée de tomate. Le jeune qui fait l'effort,
qui veut aussi montrer qu'il est capable de quelque chose, saisir une part de marché, transforme la tomate que nous connaissons, met le produit pâte de tomate sur le marché, dans sa communauté, et curieusement, la communauté dans laquelle vit se tourne vers les tomates en boîte que nous connaissons. Ouais. Et tout de suite, la conséquence est directe. Les conséquences macro que vient de citer M. Koka, c'est direct au niveau de la très petite entreprise. Il n'y a plus de vente, c'est un bien périssable. Il n'y a pas de rentrée. On ne peut plus reprendre le processus de production. C'est tout de suite la fermeture. Donc, c'est un emploi, son emploi qui est perdu. Et l'espoir de créer de l'emploi pour d'autres qui va avec. Et donc, il y a la richesse qui est attendue de cette valeur ajoutée qui n'est pas réelle. Et donc, pour faire simple, que la consommation locale est une réalité. Pas pour dire quand même que c'est une fatalité, mais nous sommes là comme dispositif pour travailler à ça, pour conseiller justement un point qui est la qualité et la visibilité. Mais nous reviendrons dessus aussi dans le débat pour dire que dès que la consommation locale est une affaire de tous. Le problème, c'est que quand nous payons un produit importé, nous devons comprendre que nous sommes en train de mettre moins d'argent pour le produit qui est fabriqué localement. Et donc, c'est des emplois que nous détruisons sans le savoir. Au niveau micro, nous aimons très bien le niveau bas d'échelle, si vous voulez, parce que la conséquence est directe. Au niveau macro, il y a quand même des structures qui ont des dispositions internes qui gèrent tout ça et ce n'est pas tout à fait visible. Ouais. Donc, quand nous revenons chez nous, donc c'est un phénomène que nous vivons tous les jours. Et donc, nous saluons le salon qui vient renforcer les dispositifs que le gouvernement met en place pour booster la consommation locale. Mais ce n'est pas une fatalité, mais ça va être une réalité. Ça est en train de l'être. Merci. Merci beaucoup. La consommation locale, c'est une obligation, je crois. C'est l'affaire de tous. L'Afrique, aujourd'hui, n'a pas de choix. Avec Covid, il faut manger ce que vous avez chez vous. Ce qu'on a, c'est même mieux de ce qu'on va aller chercher. Monsieur Didier Akuté, je sais que vous êtes à Paris et à chaque fois vous cherchez à Tchéké, vous cherchez à Koumé, tout. Dis-nous quelque chose. Les choses que vous manquez à Paris, là, nous avons ça ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Notre consommation locale. Bonjour à tous. Donc, je crois qu'effectivement, c'est un sujet assez important parce que c'est d'abord un sujet de développement économique, de création de richesses et aussi d'emploi pour beaucoup de nos jeunes. Par-delà les aliments qu'on peut rechercher à l'étranger, déjà cela suppose que les marchés domestiques puissent être couverts. Et vous savez bien qu'il n'y a pas de développement s'il n'y a pas un développement endogène et local. Et vous parlez de Covid. Regardez le marché chinois depuis qu'ils ont déconfiné. Le marché chinois est à une croissance de plus de 4-5%. Et vous prenez par exemple rien que le marché du tourisme, 80% du chiffre d'affaires de l'année dernière a été atteint depuis qu'ils ont ouvert. Donc la question du marché domestique est extrêmement importante, aussi bien pour nos pays que pour l'internat. Donc c'est une donnée un petit peu inéluctable. Maintenant, peut-être pourquoi ça ne marche pas ? C'est peut-être la question qu'on doit se poser, parce que on parlait de tomates. Le consommateur, quand il va au marché, au supermarché, pour acheter une tomate concentrée ou des tomates naturelles, il va regarder le prix d'abord, et puis il va regarder éventuellement la qualité. Donc, tant que vous n'offrez pas au consommateur local un produit local à qualité équivalente, avec un coût d'accès équivalent à ce qu'il aurait pu acheter importé, par-delà le nationalisme ou le patriotisme qu'il peut avoir, il se orientera généralement vers le produit qui lui offre le meilleur rapport qualité-prix. Donc, premier élément, il y a d'abord un élément d'organisation et de structuration de nos marchés avec la production locale. Donc, un jeune qui fait des tomates ou concentrés ou qui fait de la koumé qu'il peut distribuer, etc. Il faut déjà qu'il ait un minimum de structure qui lui permette de produire. Et donc la production est essentielle, ensuite qu'ils puissent distribuer. Mais récemment, on parlait de cette question justement de consommation locale. Et je disais qu'il fallait aussi qu'on torde un peu le cou à certains dogmes, c'est-à-dire protéger nos marchés, ce n'est pas une hérésie. Vous voyez, tout le monde protège son marché pour favoriser
les produits locaux. Pourquoi est-ce qu'on importerait du lait alors qu'on peut produire du lait localement? Pourquoi est-ce qu'on importe du poisson congelé alors qu'on peut produire localement du poisson? Et on le voit, hein, je reviens encore à la situation Covid au Kenya ou au Cameroun par exemple, avec la fermeture des marchés. On a vu que le Kenya qui importait pour plus de 30 millions de dollars de poissons, eh bien, les pêcheurs locaux ont pu enfin avoir accès à une production locale et un poisson d'ailleurs de meilleure qualité. Le Cameroun, c'est pareil. Donc le Togo, bref, tous nos pays peuvent tout à fait favoriser une production locale si on a un minimum d'infrastructures et un minimum de protection de ces marchés pour favoriser les producteurs locaux. Donc ça serait peut-être ma première réaction avant même d'aller sur les marchés export. Si déjà on peut apprivoiser, domestiquer la production locale, ça serait une première réponse. Merci beaucoup. Je vais tourner vers M. Thierry Awesso, le directeur général de la société Nyoto, l'une des sociétés togolaises qui a vraiment tenu. Merci, Madame Didier. Je tiens tout d'abord à exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance aux organisateurs de ce salon. L'initiative tombe vraiment, en pleine situation de Covid à Ponomé, et ça permet justement de ramener, de recentrer un peu le débat pour une meilleure croissance. L'un des thèmes d'ailleurs, c'est l'homme au cœur de la croissance économique et du développement, j'allais rajouter développement durable et constant, et ce n'est pas par hasard. Donc revenir au phénomène de la croissance, donc avec la consommation locale. Et c'est ramener au cœur, je dirais, de notre réflexion l'essentiel. Pourquoi l'essentiel? Parce que les dépenses liées à la consommation sont ce qu'on peut dire une composante essentielle de la formation du PIB, l'un des indicateurs qui permet justement de classer nos pays et de savoir si nous sommes dans la bonne direction ou pas. Et l'essentiel justement de ces dépenses de consommation sont des dépenses liées aux biens et aux services, et ça signifie que effectivement toucher à ce paramètre, c'est toucher à l'essentiel effectivement de cet indicateur de croissance qui nous permet de savoir si oui ou non nous sommes dans la bonne direction. Quand on prend le cas spécifique du Togo, les indicateurs de la Banque mondiale nous situent autour de 3 milliards de dollars, je dis bien 3 milliards de dollars, ce qui nous mène à 1 500 milliards de francs CFA. Les importations donc de biens et de services pour l'année 2018. Cela signifie que si nous réussissions à se substituer au moins à 15-20% avec des produits de consommation locaux, vous voyez tout de suite l'impact qui nous amène autour de 500 à 600 millions de dollars donc injectés directement dans l'économie. Mm-hmm. Pour dire tout simplement que cet indicateur est absolument important. Et nous permet de voir que nous avons effectivement un gap à rattraper. Pour revenir au phénomène lui-même de consommation locale, il est lié à plusieurs facteurs. Et il faut d'ailleurs inverser la question et plutôt se demander quel type d'entreprise, quel type d'industrie pour une économie résiliente, surtout en situation de compétitivité difficile, comme pendant cette période du Covid. Et j'appartiens à ceux qui pensent que le Covid, même s'il est éprouvant, dans tous les sens du terme, il a été une opportunité intéressante pour nos pays pour remettre en cause un modèle qui peut-être n'était pas suffisamment, préparé et pour ce genre de situation. On se contentait un peu de poursuivre avec une croissance commerciale plutôt déficitaire, une balance commerciale déficitaire. Il fallait totalement inverser effectivement cette tendance. Bien évidemment, nous profitons de l'opportunité pour saluer les efforts du gouvernement qui, dans son axe 2, a mis l'essentiel effectivement de la vision de la plus haute autorité du pays, je parle du chef de l'État, pour permettre effectivement aux différents producteurs de pouvoir transformer sur place les différents produits pour davantage partager la richesse de notre pays sur le territoire national, et je pense qu'il fallait vraiment le faire. Qui parle de transformation parle forcément d'industrie. Yes. Alors, comment rendre nos industries compétitives
Monsieur Didier à côté disait tout à l'heure qu'effectivement, on pense parfois que ça ne fonctionne pas bien. Moi, je crois que nous sommes partis de quelque part. Même si le tissu est fragile, nous sommes en train d'avancer de façon résolue. Le Togo appartient à ces pays qui sont en train d'expérimenter quelque chose de nouveau. Nous sommes dans la bonne direction. Il faut poursuivre les efforts en ce sens. Nous aurons l'opportunité justement d'échanger là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Awesso. Madame Mabenga, on a dit qu'on doit communiquer autour de cette question de consommation locale. OTR, vous voulez nous dire quoi? Merci, Madame Higué. Pour aller dans le même sens que M. Awesso, je commence par dire merci aux organisateurs du Salon Ferrin, qui tombent effectivement à point nommé, vu que nous sommes dans le mois d'octobre, qui est le mois de la consommation locale. Alors, Madame Higué, avant de revenir à la question de la communication et de la visibilité des produits locaux, je voudrais soulever la problématique qui, de mon point de vue, se pose. Pour moi, la problématique de la consommation locale au Togo est la résultante d'un paradoxe. Je vais vous dire pourquoi. Paradoxe parce que, pour autant que je sache, la majorité des Togolais ont pris conscience que la survie du Togo, et donc notre survie en tant que Togolais, dépend de la consommation de ce que nous produisons. Parce qu'il n'y a que ça, et M. Awesso a été assez explicite sur les avantages, ou plutôt les retours, l'impact bénéfique que nos économies en tirent, aussi bien sur le plan économique que social. Mais en même temps que nous avons pris cette conscience, nous avons pris conscience de la nécessité de consommer ce que nous produisons, nous avons du mal à traduire cette prise de conscience en actes d'achat au quotidien. Alors, je me pose la question pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'alors que nous savons que nous devons consommer ce que nous produisons, au moment de l'achat, nous choisissons autre chose ? Et là, j'espère que lors de ce panel, nous poserons la question du pourquoi pour identifier les causes et peut-être pouvoir proposer des solutions. Mais je vais m'aventurer quand même à donner quelques raisons qui me paraissent, de mon point de vue de profane, hein, parce que je ne suis pas spécialiste de la question, contrairement à M. Awesso, par exemple, ou M. Koka ou M. Mpati, Mkali, voilà, qui sont du domaine. Moi, je pense qu'il y a d'abord une question de production locale. Je m'explique. Pour consommer local, il faut produire local. C'est vrai que nous avons des produits locaux, produits localement, tels que Nyoto. Même si je ne connais pas les parts de marché aujourd'hui de Nyoto au Togo en termes d'huile alimentaire. On en parlera. Voilà, on en parlera. Ce qui, pour moi, en principe, Nyoto devrait avoir plus de 50% au moins. Mais bon, on en parlera. Non, pour moi, ça serait l'objectif. Voilà. Donc, je pense que, et pour qu'on produise local, il faudrait qu'il y ait une stratégie nationale de soutien de la production locale. Je ne suis pas économiste, je ne saurais vous dire comment cette stratégie devrait être pensée, réfléchie et mise en place, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. La seconde explication, pour moi, elle est d'ordre psychologique. Nous avons une tendance lourde à nous auto-dévaluer, à ne pas nous faire confiance, et à penser que ce qui vient de loin est forcément meilleur. Et là se pose la question de la communication et de la visibilité des produits que vous me posez et que certains intervenants dans ce panel ont soulevé, qui est réelle, mais qui pour moi va au-delà de la simple communication pour toucher la sensibilisation, parce qu'il faut qu'on amène le Togolais à changer de comportement, à se regarder autrement avant de regarder le produit qu'il met sur le marché. Parce que tant que nous n'aurons pas changé de regard sur nous-mêmes, ce que nous produirons nous reflétera ce que nous avons comme regard sur nous. Et donc, voilà deux causes que moi j'ai identifiées et sur lesquelles je souhaiterais qu'on puisse réfléchir pour aider à régler le problème de la consommation locale. Et j'irais dire que, pour finir, je dirais que pour moi, ce n'est pas un mythe. Parce que si c'était un mythe, on désespérerait. Ça ne doit pas être un mythe, en tout cas. C'est une conscience que nous prenons, mais que nous avons du mal à traduire en réalité. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que cette volonté de consommer local devienne réalité? Je pense que c'est là que la question se pose, et c'est là qu'il faut vraiment mener une réflexion de façon holistique sur la question de la consommation locale. Merci. Merci beaucoup, Madame Abenga. Monsieur Koka, ce paradoxe,
quel rôle le gouvernement ou nos gouvernements doivent jouer pour assurer qu'on peut promouvoir la consommation locale et que la politique, par exemple, très récemment, au début de cette mois, on a eu la signature d'une lettre qui demande à toutes les institutions du gouvernement et tout d'acheter pour toutes les fonctions, tous les événements, que les produits locaux. Donc, Salon Ferrin, oui, c'est local, notre bouteille d'eau aussi, pour permettre à booster cette consommation locale. Qu'est-ce que vous, en tant que ministère, a comme un plan pour nous aider à promouvoir ce que Mme Mabenga dit, retravailler le conscient de chaque Togolais et nous les autres qui habitent au Togo envers le produit local. Merci Madame la modératrice. Le paradigme, il est réel. Il est réel en ce sens que il y a des productions dans tous les secteurs qui ne sont pas prises en compte par les populations. Et comme elle l'a dit, les supermarchés également nous l'ont dit en fin septembre qu'en prenant la population togolaise, tous les clients qui entrent dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, lorsqu'on les oriente vers les produits locaux, ils disent « nous ne connaissons pas, moi je n'en connais pas » et vont vers les produits qu'ils connaissent. Et c'est en ce sens que nous parlons de la visibilité, de l'information pour faire une certaine comparaison pour dire que le produit étranger n'est pas nécessairement le meilleur, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans l'alimentation, etc. Et au niveau du ministère du Commerce, à l'occasion du mois du consommé local, il y a un consultant qui a été recruté avec l'appui de l'Union européenne pour élaborer une stratégie nationale de la consommation locale, en prenant en compte tous les secteurs sociaux, économiques du pays. Peut-être vous devrez ajouter le fait que cet consultant est un Togolais. Oui, bon, ce consultant, c'est avec l'aide de l'Union européenne, c'est vrai, et le consultant qui a été retenu, c'est un Togolais. Et à l'heure où nous parlons, il est vers le septentrion, en train de faire ses enquêtes pour effectivement ressortir les goulots d'étranglement. Je venais de le dire tantôt, c'est depuis dans les années 80 que le slogan « Consommons pour une Togolais » est apparu. Et les foires Adjafu, les foires Miata, etc. Pourquoi ça ne prend pas? Alors, il faut que le consommateur lui-même dise la réalité. Il est vrai qu'il y en a qui parlent du pouvoir d'achat. Et nous disons, le simple cas des poulets congelés que nous mangeons, qui arrivent dans nos casseroles après peut-être 6 mois ou 1 an, est-ce que ces produits-là, moins chers bien sûr, ont encore des substances, des éléments nutritifs utiles à l'organisme? Alors, je crois que avec l'existence du bureau de restructuration et de mise à niveau des PME, nous irons vers ce paradigme d'accompagner les entreprises nationales pour que leur prix de revient soit compétitif. Oui. C'est pour dire que le gouvernement, et comme quelqu'un l'a dit dans son axe du plan national de développement sur la production, la transformation dans le secteur manufacturier, industriel et agricole, je crois que c'est des lancers, des initiatives comme ça qui vont appuyer, et la communication va s'en suivre pour pouvoir comparer les produits que nous désirons aujourd'hui par rapport à nos propres produits. Et je crois que les pas, il suffit de faire des petits pas qui forment un grand pas.
ces initiatives. Les petits pas, un après l'autre, va faire le grand pas. Le gouvernement va travailler ensemble pour pousser, parce que ce n'est pas juste une question de macroéconomique, c'est aussi une question de santé. Parce que si les gens continuent à acheter ce que nous on appelle le Nigeria de Rika, c'est-à-dire le tomate coloré là, qui est dans une boîte, là, au lieu de manger Tanko Timati, on va avoir beaucoup de gens qui vont aller encore à l'hôpital. Aujourd'hui, nous parlons de l'importance d'avoir un bon niveau d'immunité. Monsieur Nkali, qu'est-ce que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs, comment ils utilisent cette opportunité actuelle pour vraiment promouvoir l'importance de cette consommation locale pour que les Togolais eux-mêmes sachent ce qu'il y a dans cette bouteille est très important pour leur santé. Pas seulement, il ne faut pas seulement regarder les questions de l'argent, combien on va payer. Et on va parler de ça aussi après. Merci beaucoup pour la question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui ont été déjà donnés. Mais pour revenir sur ces éléments, il y a trois niveaux d'intervention qui sont envisagés. Après, je parlerai de ce que les jeunes font aussi pour promouvoir la consommation. Il y a, vous l'avez dit, tout le monde l'a dit ici, il y a la production, comment nous organisons la production. Parce que ce n'est pas parce qu'on veut promouvoir la consommation locale qu'on va demander aux gens de prendre des produits de moins qualité, de s'acheter des maladies. C'est impossible. Chacun est libre dans sa décision. Et tout dépend de ce que nous offrons sur le marché pour que les gens puissent les prendre et satisfaire à leurs besoins. Donc, il y a un côté, le travail sur la qualité du produit, le travail sur le process de production. Parce qu'il faut aussi maîtriser les coûts. C'est un élément très important pour arriver à mettre des produits compétitifs sur le marché. Donc nous disons, regardons-nous d'abord. Au lieu de voir par exemple qu'est-ce que le gouvernement fait, d'abord travaillons. Ce que nous disons aux jeunes, c'est de travailler sur eux-mêmes, sur le produit, pour être compétitif. Mais la production, le côté production aussi, c'est les infrastructures que le gouvernement met en place. Aujourd'hui, par exemple, quand vous faites la production dans un milieu reculé, nous le savons, le transport des matières premières, des produits, il y a les routes qui sont en train d'être faites. Et ça a commencé, il n'y a pas aujourd'hui, mais les pistes aussi qui permettent de désenclaver les zones. Donc, en gros, travailler sur les facteurs de production, de sorte à avoir des produits de qualité, mais aussi à moins de coûts, très compétitifs. Donc, il y a ce que nous faisons, qui est aussi tout ce qui est de la formation sur les process qualité. Il y a le process qualité, mais le gouvernement met aussi les dispositions pour faciliter tout ce qui est normalisation, certification. C'est maintenant, ça prend, mais il y a quand même des éléments qui nous facilitent ça. L'autre élément de la chose, c'est le marché lui-même. Le marché lui-même, c'est-à-dire comment nous agissons sur les consommateurs, comment nous faisons en sorte que notre produit soit véritablement acheté et consommé. Et là, il y a au niveau du marché, il y a le consommateur, la psychologie, l'effet psychologique que madame vient de donner. Ça, c'est automatique. Nous tous, nous le faisons des fois inconsciemment. Nous faisons la promotion de la consommation locale, mais tout de suite, quand nous rentrons dans les magasins, je ne veux pas donner les produits, mais vous faites les achats, après vous vous rendez compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'il y a les habitudes, il y a les habitudes alimentaires, les habitudes d'achat même, j'allais dire, sur lesquelles il faut agir. Et ce que nous faisons, c'est rendre les produits visibles, on l'a dit, c'est agir sur la visibilité, non seulement la visibilité, mais aussi sensibiliser sur ce que nous offrons. Quelle est la qualité de ce que nous offrons? Parce que mieux moi je connais le produit, la qualité derrière, ce que ça m'offre, je peux m'orienter vers là. Donc il y a la visibilité, il y a plusieurs canaux de visibilité que le gouvernement offre à travers ce que je connais, le faillage, hein, la participation à des différents forums que nous connaissons, mais aussi la promotion des produits à travers les médias. Nous avons les partenariats avec les médias publics qui permettent aux jeunes d'exposer, de parler de leurs projets et de leurs produits pour que la population les connaît très bien. Mais après ça, il y a donc le circuit de distribution qu'on avait dit, la production, le marché, mais il faut mettre les deux ensemble, agir sur la visibilité. Alors les jeunes, qu'est-ce qu'ils font?
aujourd'hui, il y a, avec la COVID-19, l'opportunité est réelle. On a compris que, attention, au moment où les biens ne pouvaient pas tout de suite circuler, la demande pour certains produits, ils pouvaient prendre, à commencer par... Je donne l'exemple de Tanko Timothy, s'il est là, il peut témoigner. Avec la COVID, on était, entre guillemets, forcé d'acheter ce que nous avons sous la main. Et ça a permis, en tout cas, à certains de découvrir les produits. Parce qu'il y a aussi... le fait de le fait psychologique, mais il y a aussi la possibilité que les gens testent les produits pour se rendre compte que, attention, c'est du vrai, c'est de la qualité. Et avec ça, en tout cas, il pourra le dire s'il est en ligne. Sinon, avec la COVID, les produits qui sont testés, et ça a commencé par booster les activités des jeunes. Donc, il y a cet élément très important. Et nous agissons là-dessus à travers les... quand il y a les conférences, les rencontres internationales, des paniers, des produits, des jeunes que nous offrons, le paillage, pour permettre à certaines personnalités de tester, nous avons les retours. Et évidemment, parfois, je le dis, nous servons de cobayes aussi, hein, je le dis parce que nous essayons les produits et nous faisons en sorte que la qualité soit améliorée pour que ce soit prêt sur le marché. Voilà quelques exemples que je peux dire qui se font. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Didier Chrétien, je voulais tourner vers vous. Vous êtes à Paris, mais la plupart du temps, quand on va dans le supermarché pour acheter le produit là-bas, on ne pose pas les questions. Est-ce que y en a 100%? Est-ce que... Bon, il y a quelque chose, on fait un peu, on parle un peu peut-être des qualités, mais on rentre dedans, on achète, on s'en va. Parce qu'on a un type de confiance que tout ce qui est dans le rayon, c'est bon. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, partager avec nous, conseiller à nos jeunes ou à nous, la population, dans ce côté du monde, sur cette question de changement de notre mentalité par rapport à nos produits? Notre vie dépend sur ça, mais on continue à poser des questions. Des fois, je considérais un peu spécial. Effectivement. Non, mais je crois que, justement, mon prédécesseur parlait des habitudes de consommation, bien sûr, que les gens ont, et quand on rentre dans un supermarché, où on est fidèle à des marques, ou alors à un niveau de prix, et bien sûr, on s'oriente vers ces produits-là. Mais pour revenir à la question que vous posez, c'est qu'il y a une question aussi de normes et de traçabilité. Donc, quand on rentre dans un supermarché, même en Afrique du Sud, hein, pas simplement à Paris, mais à Johannesburg, même à Nairobi, on se dit, tiens, les produits sont normés, a priori, on peut faire confiance à ces produits. Et donc là, il y a certainement le rôle de l'État, des organes publics de consommation, de vérification de la qualité, de traçabilité des produits, de rassurer les consommateurs sur le fait que ce qu'ils trouvent sur un étal, ce qu'ils trouvent sur un marché, ce qu'ils trouvent dans un supermarché a été contrôlé. Et d'ailleurs, vous en parliez, quand on voit certaines tomates importées, des conserves qui ne sont que colorées avec des composants qui n'ont rien à voir avec des tomates, on voit bien que ce n'est pas simplement une question de production locale, mais même de contrôle des produits qui sont importés. Donc, la question de contrôle, de traçabilité, de normalisation est quelque chose d'important pour rassurer le consommateur. Mais ensuite, pour revenir également à l'autre question, pourquoi le consommateur irait choisir également ce produit-là? C'est parce que, de toute façon, pour ceux qui font du marketing, et le Faïège en parlait, quand on dit à un consommateur « ce produit est bon », même s'il est fabriqué localement, ou parce qu'il est fabriqué localement, il est plus frais ou de meilleure qualité, le consommateur commence à être sensibilisé. Pourquoi tout le phénomène des produits bio aujourd'hui dans le monde a un succès incroyable? Parce qu'on dit aux consommateurs, les produits que vous consommez généralement sont pleins d'engrais, de pesticides, et donc vous vous empoisonnez tous les jours. Et donc retournez à des produits plus sains, comme la plupart des produits que nous produisons d'ailleurs en Afrique. Et que si vous regardez beaucoup de produits bio, ils sont importés d'Afrique et distribués en Occident. Donc ça veut dire que si on arrive à sensibiliser le consommateur, et c'est aussi là le côté marketing, le côté responsable, responsabilité sociale de tous, en disant les produits importés ne sont pas forcément des produits de meilleure qualité, la preuve, regardez les tendances de consommation, regardez les méthodes de fabrication, les consommateurs auront
probablement tendance naturellement à aller vers ces produits beaucoup plus sains, fabriqués localement, sur des circuits plus courts, entre le producteur jusqu'au distributeur, avec la caution des organismes publics qui disent « ce produit-là est bon, nous le labellisons, vous pouvez le consommer ». Donc, c'est un écosystème, bien sûr, qui intègre l'ensemble des acteurs, l'État, bien sûr, les producteurs eux-mêmes, les distributeurs qui doivent jouer le jeu, parce que c'est vrai que quand on rentre dans un supermarché à Lomé, vous regardez les rayons, vous avez 80% probablement de produits importés, parce que c'est vrai, on ne produit pas non plus suffisamment de produits localement, dans un certain nombre de gammes de produits. C'est pour ça que je donne l'exemple de quand vous allez à Lagos, dans un supermarché, vous avez des produits fabriqués localement, vous allez à Nairobi, vous allez à Johannesburg, vous avez vraiment des rayons avec beaucoup de produits fabriqués localement, parce qu'il y a des industries localement qui fabriquent ces produits, qui produisent ces produits, qui font le marketing que font aussi les grosses sociétés internationales. Donc cet écosystème, à mon avis, est probablement à renforcer, surtout lorsque, au Togo par exemple, on voit que le gouvernement se lance dans une promotion des produits locaux, avec la semaine des produits locaux, des organisations qui existent, qui font ça. Maintenant, il faut passer de la promotion à la labellisation et à l'accompagnement des producteurs pour qu'enfin dans les supermarchés, on ait des packagings équivalents, qui font confiance. Parce que vous savez, quand vous choisissez un produit, il y a ce qu'on appelle la confiance, le degré de confiance que vous faites à un produit quand vous regardez le packaging. Et ça aussi, c'est un investissement, à mon avis, qu'il faudra faire. Souvent, je rencontre des jeunes sur le terrain, à Lomé, à Abidjan, à Dakar. Les produits sont excellents quand on les goûte, mais la présentation ne donne pas confiance aux consommateurs. Et donc, quand je dis faire aussi des efforts en termes de marketing, de présentation, ça ne peut qu'aider les producteurs locaux lorsqu'ils sont en situation de compétition en supermarché ou sur un marché donné avec un label qui rassure le consommateur. Merci beaucoup, Monsieur Akwete. Monsieur Thierry Aouessa, comment vous avez fait pour tenir? Parce qu'on parle de packaging, marketing, tout ça. Parce qu'on a besoin de mentors comme vous pour parler aux jeunes entrepreneurs pour qu'on arrive à faire ça. Je crois que si vous pouvez partager un peu cette expérience, on peut essayer de trouver quelques éléments pour nos auditeurs et ceux qui nous suivent. Merci. Merci bien, Madame Idje. Je tiens à dire qu'il y a une part, effectivement, de la réponse à votre question qui vient d'un choix individuel, un choix citoyen. Il faut déjà comprendre le mécanisme et savoir que chaque produit importé est un emploi en moins dans notre pays. Et que nous avons ce gap-là. Il faut faire en sorte que les Togolais qui sont compétents, ceux qui ont la capacité déjà de développer et de recruter des gens, et puissent, je dirais, se libérer sur un marché qui est quand même très ouvert. Pour qu'il y ait une production, il faut un marché. Pour qu'il y ait un marché stable, il faut des normes. Je crois que les uns et les autres se sont suffisamment défoulés sur la question des normes. Je vais revenir à l'essentiel. Un produit arrive sur un marché compétitif avec un coût de production. Si nous venons à un phénomène que nous maîtrisons assez bien, le cas de l'huile, le gnotto produit de l'huile végétale, qui est produit aujourd'hui à base de graines de coton. Les graines de coton sont achetées auprès d'un opérateur qui est connu, c'est le seul et unique opérateur, puisque c'est la NSCT qui a l'exclusivité de l'achat et de la commercialisation du coton, et qui, après l'égrainage, nous libère les graines pour que nous puissions effectivement procéder à la production de l'huile. Il faut savoir que Gnotto, comme d'autres opérateurs, postule, c'est un phénomène effectivement d'appel à candidature, où des étrangers également se présentent pour acheter la graine de coton. Et on vend au plus offrant. Alors, c'est le premier degré de complexité. Vous allez retrouver un Espagnol ou un Indien qui arrive tout seul. Il vient compétir avec vous, vous qui aviez 300 personnes et qui aviez autour de 300-400 opérateurs qui travaillent de façon directe ou indirecte avec vous également. Votre impact, effectivement, sur l'écosystème n'a absolument rien à voir avec un opérateur qui vient. Vous compétissez avec lui au même niveau.
Alors, c'est pour ça que nous appelons régulièrement à l'arbitrage des autorités et qui, de façon, j'allais dire, après négociation, arrive à nous trouver quand même une marge de manœuvre avec une petite réduction. Nous aurions souhaité que ce coût soit vu avec davantage effectivement de, j'allais dire, d'engagement national, parce que le coût de l'achat de la matière première représente à peu près 60 à 65% du coût de production du produit final. Donc, c'est quand même primordial. Nous passons cette étape pour tomber au facteur de production. L'énergie est le tout premier facteur de production et qui peut monter à 25 voire 30% du coût de production du produit fini. Vous allez vous retrouver en compétition avec de l'huile arrivée de Malaisie, où le gouvernement là-bas a décidé effectivement de faire quasiment de l'espace national de véritables plantations de palmes. Donc déjà, le palme, ils vont sortir autour de 22 à 25 tonnes effectivement de palmes par hectare. Quand vous, au niveau donc local ici, vous êtes autour de, on était à 800, on est autour de 650-700 kilos, donc de coton par hectare. Vous voyez déjà le gap. L'autre difficulté viendra justement de la volonté de ces pays de booster complètement une industrie en mettant en place des banques qui sont totalement dédiées à l'investissement dans l'agriculture ou à l'investissement dans l'industrie. Ils vont permettre justement aux industriels de pouvoir lever des fonds autour de 1%, 1,5%. Dans notre environnement, nous allons nous tourner vers des banques qui sont commerciales et qui vont nous proposer des taux, donc quand ils sont vraiment bien négociés, autour de 9%. Et avec des conditions qui ne sont pas évidentes pour pouvoir adhérer à ça. Lorsque vous devez compétir, il vous faut un outil de production à la hauteur de vos engagements, parce que vous avez peut-être fixé déjà le marché. Et pour lever des fonds, pour investir également dans votre outil de production, quand ils sont à 1,5%, vous êtes à 9%. Le coût de l'énergie, j'en parlais tout à l'heure, vous allez tourner autour de 100 francs le kilowatt, quand en face, pour booster justement l'industrie, ils vont accompagner le mouvement avec des coûts préférentiels dans tout ce qui est industrie et agriculture pour se retrouver autour de 30-35 francs. Quand vous utilisez rien que ces deux paramètres, vous voyez que la compétition déjà, elle est difficile, elle est quasiment déloyale et il faut revenir aux faits. Autour de ce phénomène, il y a encore d'autres contraintes. Je parlais de contraintes conjoncturelles, mais il y a des contraintes structurelles. Quand je prends le cas de l'huile, vous allez voir l'importateur donc, qui ramène de l'huile venue de Malaisie, qui est une huile théoriquement semi-finie, donc dans laquelle vous allez retrouver de la stéarine, qui est extrêmement dangereux pour la santé parce que c'est un produit qui sert à fabriquer du savon. Et ce produit va rentrer en territoire togolais, un produit semi-fini, donc va bénéficier d'un certain nombre effectivement d'allègements fiscaux et douaniers, et vont tourner au maximum à 4-5% de taxes. Pendant ce temps, vous qui aviez acheté la matière première auprès de la NSCT, on vous applique de toutes les façons cet impôt qui est à la TVA à 18%. Vous voyez déjà le gap. Donc, c'est un problème assez profond, il est structurel, il faut continuer par réfléchir là-dessus pour trouver un juste milieu. Pire, on fixe une valeur mercuriale. La valeur mercuriale est une valeur, un indice qui est fixé par les autorités pour permettre justement aux consommateurs togolais de bénéficier d'un certain nombre de prix dits de produits de première nécessité à des taux, à des prix intéressants, ce qui est une très bonne chose sur la base. On va le fixer à 200 francs. Quand vous, à cause des facteurs dont j'ai parlé, vous êtes déjà à un coût de production de 700, de 710 francs, voire 720 francs le kilo. Vous voyez déjà le gap. Et quand on va appliquer ces 4 à 5% sur les 200 francs, et vous, on vous applique le 18% sur le prix auquel vous aurez acheté la graine, autour de 85 000 francs la tonne, vous voyez bien que vous êtes largement largué. C'est la raison pour laquelle
D'autres pays sont dans un système plutôt intégré. Donc, on travaille là-dessus ici avec la mise en place des filières. Donc, maintenant, nous avons mis en place des filières dans tous les domaines d'activité. Nous sommes en train de faire des propositions là-dessus. Et on se retrouve dans l'obligation de réfléchir sur les limites du tech. Mm-hmm. Le tech, vous le saviez, dans l'espace communautaire, nous impose de veiller à la liberté de circulation des biens, des services et des personnes. D'autres pays se sont dit, on ne va pas rester dans la naïveté, on va passer à quelque chose d'autre, tout en respectant le texte, mais en délivrant des autorisations d'importation sur mesure. Que fait un pays comme, je pense qu'il est, c'est opportun de parler de l'exemple d'autres pays. Vous prenez des pays comme le Burkina, qui lui est quand même dans une autre dynamique, et qui, à un moment donné, va fermer complètement les importations sur des produits comme l'huile, en demandant aux importateurs d'aller se ravitailler auprès de l'équivalent de nos Nyoto là-bas, qui s'appelle la SNCTEC, jusqu'à ce qu'ils épuisent l'essentiel des stocks, et à partir de ce moment, on libère. Au Burkina également, on va imposer donc aux forces de défense et de sécurité là-bas, par exemple, de ne prendre auprès de la SNCTEC avec une maîtrise parfaite justement de la qualité du produit et de l'obligation de déboucher. Je prends d'autres exemples comme tout ce qui est police, gendarmerie, armée. Vous allez voir qu'ils ont des tenues qui sont utilisées avec le coton du Burkina qui se passe dans les filatures locales et ils le reconsomment de façon automatique. Donc vous allez retrouver un exemple comme en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où tant que la production locale de sucre n'est pas épuisée, on n'ouvre pas, on ne donne pas d'autorisation d'importation. C'est mécanique et c'est un choix qui a été fait. Vous allez voir également une structure au Sénégal qui s'appelle Sedima, qui s'est lancée dans la chaîne complète du poulet, donc depuis la Provence, puisque quand vous n'avez pas la Provence, ça impacte directement justement les coûts de production. Si vous êtes obligé d'importer et la matière qui va servir à nourrir vos poulets qui sont eux-mêmes importés. Donc là-bas, ils ont réussi à faire ce que nous sommes en train d'expérimenter ici, à trouver une race locale, à produire donc sur place la provende. Et en partant de plusieurs centaines de milliers, puisqu'ils ont carrément mis en place un agropole, où depuis la production de la provende, la production donc des poulets, jusqu'aux produits finis qui sont totalement étiquetés avec une norme bien déterminée. Et ils sont allés jusqu'au-delà des magasins, au fast-food, avec une chaîne sur toute l'étendue du territoire. Donc je ne fais que citer des exemples et qui ne sont pas si mauvais, sur lesquels nous devons normalement tirer un certain nombre d'enseignements pour accélérer un peu la vive volonté de nos autorités, de nos industriels, de transformer notre rêve en réalité. Et pour dire tout simplement que ce n'est pas un mythe, c'est une question d'organisation, c'est une question de méthodologie. Nous en avons largement les moyens parce que, comme je vous l'ai dit, la balance commerciale est largement déficitaire. Il y a du boulot, il y a un marché. Il faut tout simplement se lancer et puis continuer par compétir en restant extrêmement pragmatique et réaliste par rapport à un environnement qui n'est pas simple. Merci. Merci beaucoup, M. Awesson. Je pense que vous avez répondre à beaucoup des attentes de beaucoup de Togolais et ceux qui nous suivent. Et vous avez raison, hein? On doit être un peu plus audace par rapport à notre relation. Nous faisons partie d'une famille, ne dit pas que tout le monde va dormir, le même sens. Donc, on doit penser à ce qui nous convient. Le contrôle, traçabilité et normalisation. Grand problème, mais je profite de remercier le gouvernement à l'heure actuelle. L'ITRA nous offre, nous les transformateurs de produits agroalimentaires, aujourd'hui, impossibilité de payer presque zéro pour le test de fiabilité ou consommabilité de nos produits. Mais il faut ça de temps en temps. À l'heure actuelle, je dois aller vers l'OTR. Parce que les gens disent OTR, OTR. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, madame? Parce que vous avez une petite responsabilité quelque part par rapport aux questions de traçabilité. Parce que ce n'est pas toutes les choses qui arrivent au Togo qui sont vraiment fit for human beings à manger. Et il y a pas mal de questions autour de ça. Douane, tout ce qu'on paye,
les impôts, c'est chez vous. Merci, Igué. Déjà, avant de revenir à votre question, je voudrais dire merci à M. Awesu qui nous a rassurés quand même hein, par rapport à la question que je posais d'une stratégie de production nationale à côté de la stratégie de consommation nationale. Donc, il nous a donné amplement, en tout cas, des éléments sur ce qui est en train d'être fait au niveau du Togo. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans une communauté très régulée et très réglementée, mais je pense qu'on pourrait de temps en temps se libérer un peu de certaines contraintes pour notre survie. Voilà, donc pour revenir à votre question de traçabilité, la douane fait son travail de surveillance des territoires et essaie, autant que faire se peut, de s'assurer de ce qui rentre sur le territoire et de ce qui est consommé. Et nous faisons régulièrement des saisies, que nous médiatisons d'ailleurs, nous détruisons régulièrement certains produits qui rentrent frauduleusement ou qui rentrent par la porte normale mais qui ne répondent pas aux normes de qualité. Il se peut, et je pense que c'est parfois le cas, que certains échappent à notre contrôle, mais les dispositions sont prises en tout cas pour protéger la consommation et la santé des consommateurs. Voilà. Et sur le plan fiscal, je vais peut-être me répéter en disant que nous sommes dans un environnement communautaire et international très régulé et très réglementé qui nous contraint suffisamment. Et c'est vrai qu'au niveau du gouvernement togolais, de temps en temps, on essaie de desserrer les taux pour permettre à l'économie nationale de fonctionner. Et je pense que ça va continuer à se faire dans la mesure du possible. Voilà, merci. C'est important pour nous tous parce que pour être dans une communauté ne dit pas qu'on doit se suicider. Et je pense que chaque pays gère sa situation à son avantage. Et n'oubliez pas que c'est l'État membre qui fait des communautés. Donc, tous les pays doivent continuer à parler plus haut, plus fort, tout ça. Et c'est là que je voulais demander à M. Thierry Awesa de compléter ce qu'il a dit parce que je vois qu'il a quelque chose qu'il n'a pas... Je tenais justement à apporter quelques précisions. Il faut... remettre le schéma dans son décor. Le Togo a mis en place un cadre de partenariat public et privé. Nous parlons entre le secteur privé et le secteur public et nous avons réussi quand même à avancer. J'ai parlé d'un certain nombre de contraintes structurelles et de contraintes conjoncturelles, mais nous sommes, et vous l'avez vu avec les dernières décisions d'ailleurs avec l'arrêté qui a été mis en place pour pousser les administrations à consommer justement des produits locaux. Donc nous sommes sur une certaine dynamique. Le ministre du Commerce et de l'Industrie et de la Promotion de la Consommation des produits locaux a fait plusieurs sorties. Nous l'avons accompagné en tant que groupement des industries du Togo. Nous avons vu comment on a réussi à intégrer dans la fabrication du pain à travers la farine de blé des grands moulins, justement, un certain pourcentage de farine de maïs qui absorbe tout de suite pratiquement 80 000 tonnes de maïs produits par le Togo. Donc, nous sommes sur une certaine dynamique. Ce que nous souhaitons, c'est que cette dynamique soit vraiment encouragée et que les poches de résistance soient réglées. Pour revenir au point de OTR, les contrôles se font. Certains produits, effectivement, sont pris. Nous avions souhaité et proposé la mise en place d'un observatoire national dans lequel l'OTR aura une place principale qui serait capable de faire des prélèvements un peu plus souvent et avec la capacité d'un laboratoire qui va réellement nous situer sur l'autorisation ou pas de certains produits que nous jugeons un peu dangereux, et qui sont des produits de consommation directe. Quand je reviens au phénomène de l'huile, où vous allez voir un importateur qui va importer de l'huile avec de la stéarine. L'huile doit être fractionnée pour séparer l'oléine justement de la stéarine. Mais si l'importateur n'a pas la contrainte, vous allez retrouver, malgré tous les dispositifs que je vous ai dit, où il a déjà bénéficié, je dirais, d'un certain nombre de paramètres de concurrence déloyale, il va tout simplement conditionner ces produits que vous allez retrouver sur le marché et le consommateur va payer un produit semi-fini à la place d'un produit fini, avec les conséquences en matière de santé publique. Et ça confirme que la nécessité, justement, dont nous sommes en train de parler, et ce n'est même plus une nécessité, c'est un impératif, il faut qu'on y aille, et pour que des normes Made in Togo soient faites
exactement comme ce que nous subissons quand nous exportons justement nos produits à l'extérieur. Je vous ai parlé du karité que nous faisons. Nous sommes arrivés à Nyoto autour de 2012 avec 12 000 tonnes de karité qui étaient exportées. Aujourd'hui, nous triturons pratiquement 40 000 tonnes de karité. Nous sommes passés effectivement dans la sous-région leader là-dedans. Et pour pouvoir le faire, il a fallu que nous répondions à certaines normes. Il y a donc nous, dans notre domaine, une certification qui s'appelle ISCC, qui nous impose justement des normes avant de rentrer sur le marché européen, sur le marché asiatique. Ça signifie tout simplement qu'ils ont mis un certain nombre de barrières que nous, je pense que nous devons faire pareil pour limiter complètement l'impact des importations frauduleuses dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, monsieur Aweso. What is good for the goose is good for the gander. Ce qu'on nous fait ailleurs, nous aussi, on devrait oser de le faire. Il n'y a pas un petit pays nulle part. Nous sommes tous égaux. Donc, le Togo allait vers la, labellisation. Nous espérons. Représentant du ministre de Commerce, rapidement et sûrement. Je sais que tout n'est pas mal. On a des succès. On a des entreprises, petites entreprises, qui entendent émerger aujourd'hui. Vous avez fait quelques visites cette fois-ci. Vous pouvez nous citer ou nous donner un peu quelques exemples des petites entreprises que demain, vous voyez devenues les grandes industries. Merci, Madame la modératrice. C'est vrai, au niveau gouvernemental, il y a quand même des dispositions qui sont prises avec la création de la HOC, la Haute Autorité de la qualité et de l'environnement, qui, au jour d'aujourd'hui, est en partenariat avec le PNUD pour une étude sur la traçabilité des produits. Mais avant ça, l'ITRA, l'INH et que sais-je encore, sont des laboratoires qui accompagnent donc les entreprises nationales. Il est vrai que pour certaines analyses, ces laboratoires ne sont pas compétents et les opérateurs sont obligés de faire recours aux laboratoires étrangers et les coûts, comme vous le comprenez, c'est la greffe des coûts de revient. Ça, c'est vrai. Je crois que dans la dynamique du mois du consommateur local, avec la lettre circulaire que Madame le Premier ministre a jugé bon de signer, parce qu'il faudrait que la consommation locale commence par les autorités eux-mêmes, le gouvernement lui-même, c'est ça, pour que la population puisse suivre. Et je crois que c'est déjà un grand pas pour dire que la qualité étant au cœur du sujet, la HOC continue son travail et nous savons que Choco Togo, les cakes sont sur les vols Askai. Pour ceux qui ont pris plusieurs fois Askai, tous les cakes que vous prenez et les chocolats aussi, les chocolats sont des produits de Choco Togo. À Free Cube, maintenant, vous pouvez trouver à Paris. Hein? Donc, c'est pour Tanko Timati à Lagos. C'est pour dire que si la consommation locale n'est pas une notion nouvelle au Togo, cette année 2020, avec le mois du consommateur local, c'est une autre piste de développement. Qui cette vision qui a commencé. Et nous croyons que nous irons au bout. Et c'est nous-mêmes, ça doit commencer par. Et donc, pour finir, je voudrais bien remercier au nom donc, du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, les organisateurs de ce salon qui accompagnent véritablement donc, les activités du mois du consommateur local. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est la visibilité, c'est la sensibilisation, c'est la connaissance qui permettra aux consommateurs de comparer et de faire son choix. Et le choix, c'est les produits locaux. En tout cas, nous avons mis le train en marche. Il n'y a pas de recul. Maintenant, on va tourner vers les questions que nous avons reçues. Les participants qui sont en ligne, il y a pas mal de questions liées à la question des prix, de coûts.
Mais je pense que M. Aweso a beaucoup parlé de ça. Mais quelqu'un pose la question, comment pallier à ces freins pour permettre aux producteurs locaux de se rendre visibles? C'est par exemple les questions de combien on paye pour TVT, pour avoir notre annonce et tout. Je pense que je vais vous donner les questions et chacun va essayer de répondre vers la fin. Le peuple veut bien consommer local, mais déjà son pouvoir d'achat ne lui permet pas. On a déjà aussi quelques réponses pour ça. Et M. Vincent Kavegué qui dit « Nous apprécions à sa juste valeur ce panel qui nous rebooste, nous qui sommes chefs d'entreprise. Je suis heureuse qu'on insiste aussi sur les prestations intellectuelles et services. » Et il dit « Mais surtout dans ce domaine, ce qui soutient l'initiative refuse de payer à sa juste valeur la présentation locale. » Donc, on prend un consultant local, mais on ne le paye pas le même prix qu'on paye la Nigérienne. À quoi ça sert de créer consommant local si c'est fait à un prix à tuer cette production locale, à tuer cette prestation locale, pardon? Je dirais consommant local à un prix qui les valorise. Et une autre personne qui dit « La Suisse nous vend du café Nescafé depuis 60 ans, avec le café qu'il achète à la transformer en Afrique. Qui fait le banque commerciale pour promouvoir les transformateurs de café du Togo ?» Et la dernière personne nous félicite pour ce qu'on entend de faire. Je vais demander à M. Didier Akwete peut-être vous parler un peu sur comment on peut aider travailler avec nos banques commerciales et tout pour qu'ils nous aident à améliorer les taux et tout, parce que c'est ça aussi qui tout. Oui, les questions liées à la finance. OK? Donc, peut-être, monsieur, à côté, vous pouvez démarrer. Et oui, avec votre dernier mot, on va essayer de prendre une minute pour essayer de gagner un peu ce temps. Monsieur, à côté? Connexion. Il n'est plus... la connexion? Oh là là. La connexion est coupée. OK, mais on continue donc. Et peut-être, je vais... balancer la question, qui va le prendre? Monsieur Kali. Merci beaucoup. Je vais prendre la question sur la visibilité et particulièrement sur combien on paye pour la TVT. Hein. Je voudrais dire que, par exemple, entre le ministère du Développement à la base et en charge de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, et le ministère de la Communication, nous avons signé un cadre de partenariat justement dans ce cadre-là, il y a deux ans si j'ai bon mémoire. Donc qui permet en tout cas aux jeunes promoteurs d'assurer la visibilité, la promotion à zéro coût, à zéro franc. Donc oui, pour en bénéficier, il suffit juste de venir au FAE. Et chaque semaine, nous avons un jeune qui passe sur les radios, c'est les médias privés en fait. Okay. Télécom, TVT comme Radio Lomé. Et vous ne payez rien, nous organisons la mise en la relation pour profiter de ce canal. Il y a aussi des initiatives privées qui sont là actuellement. Il y a le projet Téléachat que certains médias privés ont lancé, Bouge avec 228, que nous soutenons également et qui donne des opportunités non seulement de promouvoir son produit, mais de le vendre en ligne directement. Donc, c'est des opportunités qui existent, mais il faut aussi qu'on soit un peu curieux, qu'on se rapproche des mécanismes qui existent pour voir qu'est-ce qu'il y a concrètement. Oui, on nous reproche de communiquer moins, mais nous communiquons, mais très souvent aussi, il faut être ouvert pour bien capter le message et aussi aller à l'information. C'est ce que je voulais dire sur le OK. Le projet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y avait... Ah, monsieur Akwete est là. Vous pouvez nous parler, répondre sur ces questions sur les finances, les banques. Alors c'est vrai que la question du financement des entreprises de manière générale et en particulier des PME est une vraie réalité, hein. On sait qu'à peine 20% du financement des PME est assuré par le système bancaire traditionnel. Donc c'est vrai, pour passer d'une idée à de la production, à du développement, bref, à une véritable entreprise, il y a nécessité de diversifier un petit peu les instruments de financement. Si vous voulez, habituellement, la banque
est considéré comme le principal financeur d'entreprise. Or, ce n'est pas vrai. La banque ne veut pas gérer le risque d'une entreprise, d'un entrepreneur ou d'une PME. Et c'est peut-être là où il nous manque des instruments comme du capital risque, du capital investissement, des fonds de garantie un petit peu plus importants pour supporter le risque du début. Une entreprise est un risque, de toute façon. Les entrepreneurs qui nous écoutent savent bien que l'idée à la réalité d'une entreprise, c'est pas facile. Et donc, la nécessité d'avoir des instruments autres que l'instrument bancaire, à mon avis, est vraiment indispensable. Deuxièmement, c'est aussi les espaces d'incubation. Vous voyez les expériences qu'on voit, bien sûr, il y en a de plus en plus au Togo, mais quand je circule sur le continent ou ailleurs, on voit bien que les incubateurs sont réellement, ou les accélérateurs, sont des espaces qui sont nécessaires pour accompagner ces promoteurs. Parce que parfois, la personne a une idée, a lancé son activité, mais passer du point A au point B en termes de développement nécessite des financements différents, nécessite de l'expertise différente, donc des ressources humaines différentes, une organisation différente. Et donc, deuxième idée, c'est vraiment arriver à accélérer un petit peu plus la création de ces incubateurs, de ces accélérateurs pour accompagner ces entreprises. Enfin, troisièmement, c'est la chaîne de valeur. Si vous voulez, ce dont on parle appelle à une notion de chaîne de valeur. La chaîne de valeur, quand vous êtes notamment dans le secteur agroalimentaire, depuis le bord champ ou le champ où vous vous approvisionnez à la logistique pour aller jusqu'au centre de production, le centre de production lui-même, la distribution, le marketing, bref, toute la chaîne de valeur est extrêmement importante à reconsidérer lorsque nous parlons de production locale. On parlait du chocolat tout à l'heure, du chocolatier togolais qui fait du très bon chocolat. Effectivement, dans sa chaîne de valeur aujourd'hui, on voit bien qu'il produit, même si c'est vrai, ses coûts de production ne sont pas des plus compétitifs, hein, compte tenu d'une réalité locale. Mais on voit bien que pour aller de sa production vers les marchés locaux, y compris les marchés internationaux, il est dans une chaîne de valeur où, sur l'aspect international, il a clairement des circuits de distribution qu'il doit approcher dans sa chaîne de valeur. Mmh. Et pour revenir à la question du chocolat, l'industrie du chocolat, c'est plus de 100 milliards de dollars. Yes. Et l'Afrique en capte à peine 6%. Mmh. Et le producteur en capte à peine 1 à 2%. Donc, c'est extrêmement faible. Donc, ça veut dire que la valeur se fait pas du tout sur l'amont, mais à la fin de la chaîne. Donc, notre ami togolais, par exemple, qui est dans cette industrie, quand on va prendre sa chaîne de valeur, comment il s'organise pour aller sur le haut de la chaîne, donc vers la fin du processus, puisqu'on voit, en plus que les Africains consomment aujourd'hui beaucoup moins de chocolat, les Togolais consomment beaucoup moins de chocolat, par exemple, qu'un Suisse ou un Français ou un Belge ou un Américain ou même un Chinois. Donc, ça veut dire que son marché, même s'il a un marché domestique, qui est un marché intéressant, il doit à un moment donné regarder les marchés internationaux, les marchés étrangers, où le prix à mettre dans une tablette de chocolat est beaucoup plus élevé, d'autant plus qu'il fait de la qualité, là, un contenu riche en chocolat, beaucoup plus dense que les concurrents internationaux. Donc, il a une valeur ajoutée qu'il apporte sur ce marché, à condition, effectivement, qu'on regarde à chaque fois qu'on prend un produit, de regarder la chaîne de production, la chaîne de valeur de tous nos produits pour pouvoir faire un accompagnement intelligent. Merci beaucoup. Nous avons tellement de questions. Beaucoup de gens sont intéressés par ce sujet. J'imagine que le salon Ferrin a lancé un grand débat qui doit continuer, pas seulement ici, mais aussi ailleurs. Beaucoup de questions qui sont arrivées. Vous avez donné des pistes de réponses. Pourquoi les prix des produits locaux sont plus hauts que ceux qu'on a importés. Plusieurs personnes ont posé les mêmes questions. Il y a des questions pour OTL, donc on doit vraiment retourner vers là. Les taxes et impôts, tout également les nouvelles entreprises. Nous avons bien envie de produits, mais OTL est là et ne mène pas la vie facile. Donc, je vais demander aux participants, aux auditeurs, le directeur de l'OTL sera dans un programme demain, le même programme demain, c'est ça?
Oui, dans un autre panel demain. S'il vous plaît, si madame n'arrive pas à répondre aujourd'hui à cause du temps, il faut être la première personne à poser vos questions demain. Parce que c'est très important. Nos résiliences, c'est important. Et c'est pour demain. Donc, maintenant, madame Judith Omé qui dit que les grandes surfaces sont gérées par des étrangers. Alors qu'on parle de promotion de produits locaux, comment donc arriver à franchir ces limites? Monsieur Coca, c'est à vous de transmettre ces questions au ministre. Parce que c'est une question liée aux politiques gouvernementales. Ils n'ont qu'à aller gérer ça là-bas, sauf si vous avez un mot à dire. Merci, madame. Mais on a une minute. Hein? Oui, donc, le ministère du Commerce a mis une équipe qui a fait le tour des supermarchés pour recueillir vraiment le pourquoi des rayons ne portent pas les produits locaux. Puisque les promoteurs, eux, ils réclament d'avoir des rayons comportant leurs produits et en même temps, les responsables des supermarchés, enfin des supermarchés et des grandes surfaces, eux, ils regardent la qualité. Ça, c'est vrai, c'est les deux éléments. Mais beaucoup disent ne connaissent pas les promoteurs de produits locaux. Et nous engageons à produire un répertoire pour mettre à leur disposition. Et je pense que la question d'observatoire sera très importante. Peut-être c'est l'une des choses qui doit sortir de ce mois. Parce que quand on voit le nouvel... Je pense qu'il y a trois grands champions qui viennent de NES à Lomé. C'est un peu inquiétant pour Tanko Timati. Mais bon, donc pour la question par rapport à l'incubation, l'accélérateur, je pense que tout ça là sont des questions très importantes. On doit multiplier nos MIFA. On doit assurer que les incubateurs sont vraiment visibles et qu'ils sont là, ils sont des ressources. Et il y a beaucoup de ressources en Afrique aujourd'hui, hein, en taille africaine, pour accompagner ces entreprises. Donc, les amis qui voulaient parler de taxes et impôts, je vous ai déjà dit, prenez rendez-vous demain avec le DG de... le commissaire général de l'OTR, excusez-moi. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un mieux placé pour répondre. Je pense qu'on tient vers la fin de nos discussions. Monsieur Awesso, vous avez un dernier mot à dire? Oui, le dernier mot. Merci dans une demi-seconde. Si, merci, merci beaucoup, Madame Idié. Je tiens à dire quand même que je sais que votre ONG fabrique justement des produits, certains produits locaux. Et y compris tout ce qui est jus de fruits. Nous nous ravitaillons chez vous, c'est pour dire qu'il y a des initiatives qui sont faites. Et le choix de ces produits est d'abord une démarche citoyenne. Et c'est la raison pour laquelle je pense que chaque consommateur doit, à un moment donné, marquer un arrêt pour se dire « il faut consommer produits local parce que c'est le seul passage pour sauver nos industries, pour sauver nos emplois et pour réaliser justement au bout de la chaîne de valeur un certain nombre de bénéfices qui soient réinjectés dans l'économie nationale. Je ne saurais terminer ce panel sans dire merci. Merci aux autorités qui sont désormais engagées avec nous, à nos côtés, sur la promotion justement de la consommation des produits locaux. Nous devons aller beaucoup plus loin. Et on a passé le cap où on disait aux enfants « allez à l'église sans y aller nous-mêmes ». Nous allons avec eux et nous assumons nos responsabilités. Nous les encourageons. Il faut ensemble qu'on aille beaucoup plus loin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à tous les panélistes. Merci M. Akwete qui est en ligne. Et merci vraiment aux organisateurs de cet salon. Je pense que ça nous a donné une bonne opportunité, une autre occasion de s'exprimer sur tout ce que nous voyons, sur tout ce que nous avons comme expérience ici au Togo. Mais je voulais juste dire un mot. Une chose est claire. Que vous et moi déciderons que nous aurons consommé local. C'est bon ou c'est pas bon ou parce que quand on mange... J'étais née en Angleterre. Quand on mange dans la rue de Londres, on ne demande pas si c'est une bonne qualité, c'est pas bonne qualité. On n'a qu'à manger parce que c'est ce l'eau-là qu'on a utilisé pour nous nourrir quand on était bébé. Maintenant, on a devenu grand. Ça commence à nous déranger.
il vaut mieux manger ce que vous avez l'habitude au lieu d'aller chercher quelque chose dans le canette, je ne sais pas comment ils ont préparé, et disait parce que je suis maintenant un grand dame. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre, pour l'attention. On doit consommer ce que nous produisons ici au Togo parce que nous sommes ce que nous mangeons. Merci beaucoup. Merci. Merci.